Et salut YouTube, on se retrouve une nouvelle fois pour du Last Creed. On doit récupérer la thune de El Gouverneur. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ah merde, t'avais ça. Tant pis. On peut se TP, on peut se TP. Ok, on faut aller là. Kingston. Ah mais oui, c'est le mec. En effet. C'est tout à fait le mec. Au bout d'un moment, faudra farmer du métal et du bois. Belle frégate là-bas. Wow, ça c'est beau morceau ça. On entend rien dans le jeu. Les voix sont trop basses. Et pourquoi ils ont fait un mixage comme ça? C'est fou hein. Déjà que le jeu tu peux pas le mettre en fenêtré, c'est quelque chose. Mais qu'en plus le mixage soit aux fraises. C'est quand même très dommage. Hop, c'est à moi. Ah, on va pouvoir lui tourner autour, ça c'est bien. Les forts où tu peux tourner autour, c'est bien. Restez discret, les ours sont bien gardés. Non, non, pas de discrétion. Quoi, c'est des petites canonnières? Tuner, ça va. Bait. Bon sang, pour rectifier le tir. Non mais c'est bon. Prêt à faire. Envoyez toute la toile, en route. Capitaine, si on touche là, il n'y a pas la cause. Là, capitaine, c'est là qu'il faut viser. Il est explosé, faut pas laisser passer l'occasion. Capitaine, si on touche là, il ira par le fond. Il ira par le fond, le fort. On leur met. Faudrait te faire ça. Non mais va-t'en toi. Pas invité. Nous ont emmené ici, mais le navire tient le coup. Ça comprend un peu de dégâts quand même. Ok, on a pris cher. On prend cher. Ça croche. Ok, on va se refaire. On va se refaire, j'ai dit. Dégage. Et voilà. Oui, on a pris si cher. On s'est fait éclater un petit peu, mais c'est pas grave.
ils ont des boulets comme ça, d'accord. Boulets explosifs. S'enfuir de là. Là, capitaine, c'est là qu'il faut viser. On subit des dégâts. Pour de se faire éclater. On se barrer. Il faut qu'on fasse feu sur cette tour. De merde. Je vais pas l'éclater. C'est à cause des trucs là, ça m'a fait. Pas que je les évite, obligatoirement. Extrêmement cher. Faut détruire cette tour. Oh capitaine, si on touche là, il est sur le pont. On est barré, capitaine. Entre trois, c'est le pont. Je crois que c'était le bateau, mais tout va bien. Il coule. Il coule le fort, ouais. Ouais. Exactement. Je sais que c'est un bon navire. Alors, Mongol, ce matelot ou pas? Faudra le virer à D. Hein. Il coule. Diminuez les voiles. Fermez la une, Bertimont. Je fais pas de coulmult. J'ai quand même des pirates. En plus, on est un peu furieux. Ah, il y avait un raccourci. Un petit coffre. Ok, ça compte. Mais va te faire, toi. Maggot. Bah, qui parle? Il parle au capitaine Edward Kenway. Maggot. Des gens. Pas de dos. Sous le pas. C'est ton coffre, félicitations. Peux-tu l'ouvrir? Parce que soi-disant, il y a un mec qui t'en veut.
Du coup, tu peux pas l'ouvrir? C'est barré, j'ai envie d'éternuer. Pardon. Dors. Quoi? T'es endormi? Ok. Fais dodo dans les flammes. Et c'est fini. Ah non, c'est fini. Déposer les armes. Bam! Très bien. Ouhou. Navire légendaire. Ah, on a un contrat pirate. Besoin de te fondre dans des gars. Tu as envie d'échapper à tous ces regards? Non, je vais vivre sous les projecteurs. T'es à la barre. Comment on dit? Ah, me soigner, ça serait pas trop déconnant. Bon, on va choper des bateaux en route. On va piller leur cargaison. Et... oh, peut-être pas lui. Oui. Et pour... je peux attendre ici. Ah, je peux attendre. Mais non, il a plongé dans l'eau. Capitaine, je crois qu'il bouge encore. Les pieds sont place. Prêt à faire feu, capitaine. Ah, ils ont de la vie. Ah merde. On est paré, capitaine. Ok. Ok, c'est une erreur. Va-t'en. Pillon. Oui, pauvre fou. Ok, on peut peut-être essayer de... ah non, c'est une canonnière. Une canonnière, du coup. Ah, bon. Le mortier. M'intéresse. Par l'enfer. Donnez-moi ça. Récupérer les cadavres. Voilà. Voilà, KS. Formidable. Pensons. Non mais... bon, si violent, lui. Action Kingston.
18 coffres. S'il vous plaît. Ok. Pas mille merde là qui traîne autour. Pas du B40, dommage. QB14. C'est un raccord pourtant. Où est-ce que je monte? Chose. C'est grand. Oh non, c'est grand. Ah non. Bon, je fais ça hors stream. Hein. Trop de choses, trop de loot. Voilà ce qu'on va faire. Torres ira voir Prince avec une partie de leur rançon et il lui dira que le reste n'est pas loin. Dès qu'on verra le sage, tu apporteras le reste de la rançon, tu feras l'échange et tu t'en iras. Je serai juste à côté à observer. Non, Kenway, ce coup-là, t'es tout seul. Tu vas perdre la confiance de l'équipage. Ça me répugne que tu marchandes avec ce maudit négrier. Pense-y, mon ami. Une fois qu'on aura le sage, on sera tous riches. Sauf si Master Kid l'intercepte avant toi. Kid ? Bon sang. Il est venu pour le tuer. Edward ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ces hommes vont me conduire jusqu'au sage. Tu peux attendre qu'il arrive. Le sage est ici ? Aïe. Et Prince va nous montrer le chemin. Hop. Je vois. Je veux bien retenir ma lame pour le moment. Mais ce n'est que partie remise. Ah, c'est Torres ! En vrai, à aucun moment il fallait le laisser en vie. Mais bon. Edward n'est pas un assassin encore. Du coup, il s'en fout. Je la suis. C'est ce qu'elle fait. À quand remonte notre dernière rencontre, Seigneur Prince ? Une année ? À moins de 18 mois, vous m'avez décrit ce Roberts pour la première fois en novembre 1704. C'est mon coin de mur. Ah si, bien des choses ont changé depuis cette époque. Et plus personne ne m'appelle gouverneur, car j'ai abandonné cette fonction l'an dernier. Est-ce qu'elle est ok? Je l'ignorais. Elle a bougé. T'as pas pu t'en empêcher, hein, Kenway? Il y a tellement d'églises à Kingston. Les Anglais se sont-ils enfin décidés à convertir leurs esclaves au christianisme? Les convertir? Par l'enfer, Torres! Personne n'est assez idiot pour ça! Idiot? Que voulez-vous dire? N'est-ce pas un péché d'asservir un autre chrétien ? Transformer un esprit animal en une âme humaine ? Ne reviendrait-il pas à inviter son bétail à sa table ? Pardonnez mon impatience, sommes-nous encore ? Terrible si... Hop là. Ah, il y avait une chanson.
mauvais endroit, mauvais moment. Ah, faut se retenir. Compliqué, compliqué. Ne bouge pas d'un pouce, esclave. Fais face à ta punition comme un homme. Pourquoi me comporter comme un homme alors que vous m'avez renié ce droit pendant 30 ans? Je suis consterné par votre vision des choses, Prince. Chaque homme doué de raison et de sentiment a droit au respect et au progrès. Espagnol, vos liens prolongés avec les morts ont tué votre sang et ramolli vos cœurs. Cela ne signifie pas pour autant que je crois à l'égalité entre les races ou entre les sexes. Le pouvoir revient de droit aux hommes de talent et d'intelligence. Mais la pratique de l'esclavage n'apporte aucun profit réel. À court terme, elle nous enrichit, si. Mais à long terme, son succès se retournera contre nous. Les hommes de nos âges... Elle est où l'autre ? ...ne seront jamais amenés à voir ce jour funeste. Alors, pourquoi s'en soucier ? Ça va être bien de pouvoir zigouiller. Fais attention à moi. Par vertu, il faut autre chose. La vertu ? Oh, Torres. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à discuter de ces esclaves et de leurs pitoyables conditions. Concluons cette transaction et célébrons-la en émoi. Littéralement sentir leur haute cologne. Les histoires qu'on raconte sur vous sont des livrailles. Avez-vous été gouverneur en fait ? Si, si. Je ne suis pas le premier Torres à servir mes semblables. Je descends d'une longue lignée de politiciens. Je songe à la politique. Ah, mais c'est nickel, mec. Bah, pas formidable. Mais j'ai peur de disposer de trop d'argent et de bien peu de temps. En effet. Très peu de temps. J'ai appris que vous... T'énerve pas. Impétueux, jeune homme. En parlant d'histoire, Prince, j'ai appris que vous étiez avec Henry Morgan le jour où il a mis à sac Panama, en 1771, n'est-ce pas ? Oh, cette histoire n'est pas une légende. Mais ne surestimez pas les honneurs à... Non, c'est faux ! Oh, cette histoire n'est pas une légende. Mais ne surestimez pas les honneurs acquis au champ de bataille. Cette escarmouche fut fort brutale. Un beau gâchis d'argent et de richesse. Incroyable ça. J'ai passé des années avant de me lancer dans des activités plus sûres et plus profitables. Le capital et les ressources. C'est là que réside la... Tiens, fait de pas le fumer. Et laissez-moi vous dire... que l'honneur qu'on achète est bien plus appréciable que celui qu'on gagne. Ah bah elle est là ! Mais comment ? Cette marche me fatigue. Sommes-nous proches ? Oui, nous le sommes. Nous devons être sur un pied d'égalité, voyez-vous. Je ne me fie pas plus aux Templiers qu'il ne se fie à moi. Si je vous avais su si méfiant, je vous aurais apporté des fleurs. Heureusement qu'il y a les sous-titres. Je ne sais pas ce qui me rend si suspicieux. L'argent, nul doute. De grandes sommes sont en jeu. C'est le moment. Non. Pas avant d'avoir vu le sage. On ne nous dérangera pas ici. Je veux voir l'argent. Ce n'est qu'une partie de la rançon. Le reste est non loin d'ici.
Cela me gêne beaucoup de faire la traite d'un membre de ma race par profit, Monsieur Torres. Dites-moi donc, qu'est-ce que ce Roberts a fait pour autant vous contrarier ? Serait-ce une forme de piété protestante à laquelle je ne serais pas habitué ? Peut-être un autre jour. Quoi ? La prochaine fois, faites en sorte qu'on ne vous suive pas ! Réglez ça ! Ah non, il y a des gros. Ah. Il est embauché au McDo. Tu m'as fait rater mon coup, Kanway. Pour une meilleure cause. La cause de l'argent. Hop là. Je vais m'occuper de Prince. Oh non, ça passe pas comme ça. Kid, non. Jim, arrête! Ça nous rend pauvre! Allez, mon ami! Nous devons agir ensemble! T'as eu ta chance! J'y vais. Retiens ta lame, kid! Attends! C'est vrai que c'est des petites foulées. Oh, espèce de chien galeux, enlève tes sales pattes de moi! Je t'interdis de tuer ces hommes, Kid. Pas avant qu'on ait trouvé le sage. Ça fait déjà une semaine que je traque ce porc, que je le suis partout. Et là, je trouve pas une, mais deux de mes cibles, et toi, tu gâches tout! Patience, mon ami. L'heure viendra. Quand j'aurai trouvé le sage, tu m'aideras à tuer Prince. T'as compris? Pardon ? C'est pourquoi il y avait tout ça à faire ? On l'a vu ? Il est loin. Il est loin. Ah. Ça bloque. Qu'est-ce que c'est ? On peut monter vers ça. Voilà, non plus, ça passe pas. Où est-ce qu'on monte là-dessus? On aurait pas laissé une échelle par hasard? Pour une croix, c'est à peu près pareil. Voilà. Alors, faut sauter. Ça? Là? Formidable. Oh, et puis zut. Je ferai ça plus tard. On va avancer un peu dans l'histoire. Sinon, on n'a pas fini. La musique. Oula. Oula, l'accident. Super bien. C'est quoi leur truc à eux?
grosse fissure quand même dans le moulin avant. Peut-être le rénover. Toujours le SEM. Attends deux secondes, je synchronise. C'est bon, on peut parler. Tu n'aurais pas préféré un pub ? Non, c'est pour traquer une cible que je suis à Kingston. J'ai aucune intention de m'enivrer. On gagnerait à unir nos forces. Toi, c'est Lawrence Prince que tu veux. Et moi, son prisonnier. Nous aussi, nous voulons le sage, Edward. Évite de nous contrarier. Que le meilleur gagne. Des gardes patrouillent le domaine d'un bout à l'autre. Je crois qu'ils se servent de ces cloches pour sonner l'alarme. Tu vois là-bas ? On va devoir s'en occuper avant d'aller trop loin. Ils sont beaucoup trop nombreux, la discrétion ne suffira pas. Alors je vais trouver une façon de détourner leur attention. Et il te restera plus qu'à les éliminer. Parle pas comme ça, le rouge à lèvres. T'es prêt ? Bon Dieu de bonne femme. James, hein ? Ça dépend des jours. Allez, viens. Ça n'empêche, vous êtes nul. J'ai jamais remarqué. Si tu vois Prince avant moi, tue-le. Et je te verserai quelques pièces. C'est d'accord ? Oh, je veux des pièces. Attends, toi ? Je ne peux pas croire que tu sois une femme. Bon sang, Edward ! Qu'est-ce qu'il fait ? Elle a refusé. Juste parce que j'ai dit que c'était une femme. Seigneur, il n'a rien ? Est-ce que je peux m'endormir ? Oui. Moi j'ai ces cadavres. Mais il a séché. Il l'a juste séché. Voilà, deux. Deux pour le prix d'un. Maintenant, séchez-vous entre vous aussi. Il est mort de quoi ? Oh, il va le chercher réellement ! Oh, le mec ! Oh, cette tragédie. C'est ouf. Waouh. J'ai parti chercher jusqu'en haut pour le pousser et tomber en même temps. C'est terrible. Ah merde, viens gros. Attention. Qui gagne ? Oh, c'était prévisible.
intruder! I need some help! C'est pas vrai, c'est pas vrai! Hold on now! Perhaps he's not running. Ah! Off the nord and beyond that time. Ok. Je me débarrasse de lui. Et lui, je le fume. Ah, je n'existe. Ouh! C'est faux. J'en ai bien sorti. Plus un geste. Pitié, on m'a tiré dessus. J'ai besoin d'aide. Mon Dieu, Thompson, regarde là, il est blessé. Grièvement, monsieur. Je crains. Très bien. De défaillir. Prends mon bras, petite. Soyez bénie. Alors qu'ils étaient sérieusement gentils. Mais bon, la mission, je présume. Ah non, mais les cadavres. Marlo, Monsieur Prince veut qu'on ouvre l'œil, cette nuit. Il est persuadé que ces crapules vont venir lui rendre visite. Je vais faire passer le mot. Si, si. C'est faux. Joli cabriole. Pas très utile mais joli. Coffre en dessous. Il est où mon coffre? Il est où mon coffre? Ah là-haut, ok. Faut rentrer dedans. Éternuer. Ben, pardon. Ah, j'ai plus de fléchettes, j'ai plus rien. Embêtant. Ouais, voilà, fallait pas le bousculer. Sinon, ça allait poser problème. Ok, il est là-bas. Joli dos.
Pourquoi me fixes-tu avec ce regard de vautour? Tu veux voir un vieillard souffrir? Tu as très largement contribué au malheur des autres, Monsieur Prince. Rien n'est plus vil que toi. Ton ramassis d'égorgeurs et votre précieuse philosophie, vous vivez dans ce monde, mais n'en aurez jamais la maîtrise. Mais prends sur mes buts, vieillard. C'est uniquement l'or qui m'intéresse. J'ai connu ça jadis. J'étais comme toi. Par ici, Kenway! J'ai trouvé ton homme! Tu ne m'es pas inconnu! Le Templier de la Havane! Je ne suis pas un Templier! Ce n'était qu'une ruse! Nous sommes venus sauver ta carcasse de ce négrier! Me sauver? Je travaille pour Monsieur Prince! Comment ça? Tu penses que cet homme est ton employeur? Mais il avait l'intention de te vendre au Templier! On ne peut faire confiance à personne, on dirait! Aïe! Mais quel enfoiré! Robert! Robert! Non, fais pas le con. Tu m'étonnes qu'on se reverra plus tard. Je ne toucherai pas le sol. Bon d'accord. Je toucherai peut-être un peu le sol. C'est gênant, excusez-moi. Voilà. Non mais c'est buggy soft, hein, c'est normal. C'est pas un bon jeu. Il n'y avait pas des bugs immondes. Des bugs de collision qui n'existent pas. Formidable. Oh pardon, excusez-moi. J'aime trop me jeter dans la brouillère. Sur le prix. Saute! Je ferais mieux de te cacher aussi. Trop curieux. Tu tues. Voilà, vous soufflez. Tiens, marche anonyme. Il t'a échappé encore une fois? Oui. Robert, c'est un renard hostile à tout signe de gentillesse. J'ai perdu deux hommes en quelque sorte aujourd'hui. Alors, quel est ton vrai nom, ma jolie? Waouh. Ça, c'est du tact. Marie Reed, pour ma mère. Ainsi que mes vrais amis. Mais si tu révèles ce nom à quiconque, tu diras adieu à ce qui fait de toi un homme. Ah, sur des brutes! Pour qu'on quitte Kingston. En effet. Et donc, je vais arrêter là-dessus.